Aujourd'hui, l'Office de tourisme de Gassin vous propose de découvrir la porte des Sarrasins. Vous la voyez ici d'un de ses côtés, à la suite donc de la rue de la Casco. Ici, c'est la rue du Fort qui débouche donc sur ce portail qui autrefois ouvrait et fermait l'entrée du village. La porte des Sarrasins, pourquoi ? Parce que les Sarrasins, donc, c'était évidemment les envahisseurs redoutés. Et donc, les villages, comme Ramatuelle également, voulaient se préserver de ces envahisseurs. C'est pour ça que bon nombre de portes, comme à Fayence d'ailleurs, on retrouve ce nom de porte des Sarrasins. On les redoutait beaucoup parce qu'ils commettaient des incursions dans les villages et qu'ils faisaient des razzias, notamment pour la nourriture, dans bon nombre de villages. Sur ce côté-ci de la porte, on retrouve donc le blason de la ville avec ses trois tours maçonnées. Et on peut voir aussi la profondeur de la muraille par cette petite lucarne, puisque le rempart ici mesure au moins 1 mètre d'épaisseur. À bientôt pour de prochaines découvertes à Gassin.